Ok, pas par là. Dans ce cas, bonjour. Ok, merci. Alors, qui est-il par là? Peut-être que les salles à droite, du coup, sont, on peut pas y accéder. Vous pensiez vraiment que ces vieilles protections allaient me retenir? Regardez-vous, à peine capable de réfléchir à deux choses à la fois. Ce n'est que grâce à Oak que vous avez réussi jusqu'ici. Vous pouvez encore faire demi-tour. N'écoutez pas sa voix. Vous êtes stupide, Larius. Et vous auriez dû mourir il y a des années. Non mais ça va, oui? Pas commode cette femme, hein? Allez, le guérisseur, tu dégages. Le ravageur, le défenseur de la magie. Eh ben écoute, tu vas pas défendre grand chose. Allez, mourez. Si fort, dextérité plus 2, vitesse d'attaque, ouais, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout, même. Et là, qu'avons-nous? Rien. Rien, ok. Tour de la prison, et on arrive bientôt au sommet. C'est bientôt l'heure du combat final! En fait, c'est peut-être l'heure du combat final. Alors, on sauvegarde. Ouais. Organ, viens ici. Le sarcophage de Corypheus est ici. Vous arrivez trop tard, Larius. Remettez-moi Oak, et je vous promets une mort rapide. Oak a fait son choix. Le bon choix. Le bon choix ou le seul choix? J'ai cru comprendre que vous n'aviez pas laissé le choix à Malcolm Oak. C'est le passé, ça ne compte plus. C'est-à-dire? Larius, que veut dire Janeka par pas permis? Comment le sait-elle? Alec lui a dit. Malcolm Oak était réticent. Il a fallu le convaincre. J'étais garde-capitaine, c'était mon devoir. J'ai émis mon ultimatum. Aidez-nous, ou vous ne la reverrez jamais. Vous avez fait quoi? Vous alliez tuer notre mère. Certainement pas. Il est venu avec nous. Je n'ai jamais eu à décider de son sort. Elle n'a jamais su ce qui s'était passé entre Malcolm et moi. C'est pas une raison. Vous voyez, Oak? Comment pouvez-vous croire une seule parole de Larius? Bah, j'ai envie de te dire, on réglera ça après. Pour l'instant, Corypheus représente toujours un danger. Hein. Les menaces de Larius étaient répréhensibles, mais il a raison quant à Corypheus. Vous viendrez, Oak, que vous le vouliez ou non. Oh, ma pauvre. Je n'ai besoin que de votre sang. Ouais, eh ben, j'aime pas tuer des gardes des ombres, mais il sera fini ce soir le DLC. Oui, il sera fini ce soir le DLC, c'est sûr. Je n'aime pas tuer des gardes des ombres, mais vous ne me laissez pas le choix.
Et voilà. Il s'agit de tuer-le maintenant, avant qu'il ne se réveille, avant qu'il ait retrouvé sa force. La clé, elle n'est pas assez forte. Utilisez votre sang, libérez-le et tuez-le. Bon, on sauvegarde encore une fois. Et c'est parti pour le combat final. Des nécessaires de soins, je prends. Des potions curatives, je prends. Bon, vous voyez que si on nous a donné des potions, c'est pas pour rien, quoi. Regardez, on dirait qu'on a affaibli le sort. Ouais, non mais... Tu penses vraiment que c'est une bonne idée, quoi, putain. Mais franchement... Avec tout ce qu'on a vu, tout le monde te dit que le mec il est super dangereux, qu'il est craint, que les gardaisons ont carrément fait une prison juste pour le retenir lui. Ils ont même pas fait ça pour un archidémon. Bon, enfin bref. Ça va être le moment des révélations. Révélations plus sur le lore de Dragon Age d'ailleurs. C'est pour ça que j'aime bien ce DLC. Tout ceci n'était qu'un rêve. Suis-je en terre naine? Pourquoi les routes semblent si désertes? Vous, servez-vous au temple de Dumat? Conduisez-moi là-bas. Je dois m'entretenir avec le premier acolyte. Dumat est le premier ancien dieu qui soit devenu un archidémon. Aucun temple ne lui est dédié depuis l'ancien empire Tevintid. Vous semblez humain. Êtes-vous des citoyens de l'Empire? Des esclaves, alors, au service des nains? Que faites-vous en ces profondeurs? Qui que vous soyez, vous devez la fidélité à tous les inquisiteurs de Tevinter. À genoux, tous. Alors... Juste avant de continuer pour bien comprendre ce qui va se dire, je vous rappelle qu'à l'origine, la légende, telle qu'elle est racontée par la chanterie, dit que les anciens mages lors de l'ancien empire Tevinter, il y avait, si je ne me trompe pas, 5 mages Tevinter qui ont franchi le voile, qui ont été dans l'immatériel et qui ont été jusque dans la forteresse noire que l'on aperçoit des fois quand on est dans l'immatériel, dans les tréfonds de l'immatériel, là où siège le créateur, donc celui qui est le dieu qui a créé toute vie, etc. Et il paraît que justement, en profanant le temple du créateur, les créateurs maudits ces mages Tevinter qui sont devenus du coup les premières engeances qui ont ensuite contaminé plein d'autres personnes, etc. D'où le premier enclin avec justement le temple des maths, etc. Voilà, ça c'est la légende telle qu'elle est racontée par la chanterie, et forcément comme c'était des mages Tevinter, c'est de là que vient toute la méfiance vis-à-vis des mages, et pourquoi la chanterie justement a créé l'ordre des Templiers pour contenir les mages, pourquoi ils ont créé les cercles, etc. Parce que à l'origine c'est à cause de certains mages un peu trop curieux, un peu trop belliqueux, que les premières engences et que donc ont été créées et que donc les enclins sont apparus. Voilà, ça c'est pour resituer les choses dans leur contexte. Maintenant on peut reprendre. Cela fait bien 600 ans que les marches libres n'appartiennent plus à l'Empire. C'est vous qui m'avez retenu captif. Je flaire l'odeur du sang en vous. Dumat, Seigneur,
Dites-moi, comment suis-je arrivé ici? Quel est donc ce cauchemar? La lumière. Nous avons cherché la lumière dorée. Vous nous avez proposé le pouvoir des dieux tout-puissants. Et c'était obscur, corrompu, et depuis, les ténèbres. Depuis combien de temps? La Cité d'Or, la première violation. Les inquisiteurs avec qui l'Enclin est arrivé. C'est ridicule. Aucun croque-mitaine magique ne s'est illégalement introduit dans la Cité du Créateur. C'est de la fabulation. Ce n'est autre que de la propagande de la chanterie. D'où sont sorties les engeances, d'après vous? Ce ne peut être qu'une création des anciens dieux. C'est sûr. Dumat, m'avez-vous abandonné? Je suis votre fidèle serviteur. Dire que les engeances ne sont que la preuve des dangers de la magie est réducteur. Selon la chanterie, c'est la prétention démesurée de l'humanité qui a déclenché l'avenue des engeances. La prétention démesurée des mages, tel est leur vrai discours. Bah pour le coup, c'est la vérité cette fois. Combien de temps suis-je resté endormi? Il a souillé le monde. Il s'adresse à tous ceux qui côtoient la corruption. Engeance, garde des ombres. Il a fait venir Janneka ici. Vous aussi. S'il appelait les gardes des ombres pour qu'ils viennent le libérer, alors quel est son plan? Il semble confus. Il dormait. Tant que les sceaux fonctionnaient, il lui était impossible de sortir de cette léthargie. Il n'a aucune notion du temps qui est passé. Nous devons le tuer avant que lui ne le fasse. Vous croyez que c'est l'un des premiers inquisiteurs? Qu'il a connu la Cité Noire? La cité! Ce devait être la Cité d'Or! Ce devait être notre cité! Si je ne puis partir avec vous, alors je partirai à travers vous! Je cherche la lumière! Bon, ben on va s'occuper de lui tant qu'il est désorienté! Le sort. À nous, Corypheus! Alors si vous jouez en difficile, il faut savoir que ce boss est très 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 dur. Là, comme on joue en normal, normalement ça devrait passer. Mais la première fois que j'avais fait le jeu sur console, j'étais en difficile. Et le boss il fait masse de dégâts, il est assez difficile. Ah, le feu coule dans mes veines. Vous ne pouvez pas éviter mon feu. Aïe. Voilà. Et voilà, j'ai mal joué. J'ai très très mal joué. On va essayer quand même, hein. Je suis un acolyte de Dumat. Vous ne pouvez rien contre moi. Assurez vos arrières. Ah oui, d'accord. Il a été dans le feu, il s'est cramé. Bon, bah très bien. Bon, j'ai bien fait de sauvegarder parce que là, je pense qu'on va recommencer. Tout le monde est mort, on va recommencer. Allez, vas-y, tue-moi, voilà. Charger la dernière sauvegarde. En fait, il faut que je dise à mes alliés de rester sur place quand je coupe le feu. Là, j'ai mal joué. Le sang, Seigneur. Le sang. On va se positionner. Allez! Venez ici. Voilà. Et restez là. Ah, le feu coule dans mes veines. Vous ne pouvez pas éviter mon feu.
Je suis un acolyte de Dumat. Vous ne pouvez rien contre moi. Ouais, il tient sa puissance, et vous, pourquoi vous venez? Pourquoi vous venez là, vous? Bande de boulets! Alors que je vous ai dit de rester sur place. Allez, venez là. Non, sans blague. Aïe, 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 reste plus que moi. Aïe, 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 aïe. Je suis à bout de port. Il me faut du mana et vie. Je suis à bout de port. Bon, bah, il va être compliqué. Même en normal, visiblement, il est pas simple, hein, le boss. Il faut que j'attende le temps que mon sort de résurrection se recharge. Un peu plus peut-être. Le voilà. Au. Allez Worgen. Brûlez, sales insectes. Aïe 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 aïe. Allez. Alors je suis désolé, je suis un peu concentré. J'arrête pas de regarder ma vie en fait. Parce que là ça va. Allez Worgen. Non mais reviens. Ah Corypheus. Reviens là. Reviens dans la zone, voilà. Non, il me faut ressusciter mes alliés surtout. Voilà. Allez au combat maintenant. Aidez-moi. Oh, c'est pas vrai. Venez là, venez là, venez là, venez là, venez là. Venez là, venez là. J'ai retrouvé toutes mes forces. Et restez là. Les taux se referment. Il. Non, non, mais restez là, justement. Restez là. Allez, venez vous mettre ici, précisément. Ah, ah, ah. Ouais, enfin, ici, ça sert pas tant que ça, quand même. Hein. Bon, allez, hop. Tac, tac, tac. Hop, ça passe. Tac, voilà. Vous mourrez avant. Mais pourquoi ils sont là-bas? Venez ici. Venez, 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 venez. Allez, venez vite. En fait, quand je casse une de ces statues, ils me suivent, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai arrêté de compter. Worgen, viens ici. Allez, on y va, 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 ça passe. Ah non. Si les rochers ils pop en plein milieu, ça passe pas, non? Allez, 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 allez. Hop, voilà. Varric, viens ici. Ah, idiot. Voilà. Allez, restez là, restez là. Voilà, parfait.
Parfait. Allez, cette fois ça devrait aller. Quoi, non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et je cherche pas à y échapper pour l'instant, je cherche juste à survivre en fait. Bien la varique, voilà. Allez, on y va. Ouais, je vois ça. Il n'y a pas que des éclairs aussi. Allez. Non. Vous avez plus de force que je ne le croyais. Mais pas suffisamment. On verra. Ce n'est pas fini. Allez, on y va. Non, c'est sans blague, il tombe de la glace, j'avais pas remarqué. Sortez de là, vous allez vous prendre tout le feu, bande d'idiots. Non, sans blague. Ah bon, tu crois? Eh ben, Varric, on le ressuscitera tout à l'heure. Imbécile de Varric. Non, il est pas frais. Attends, on va réchauffer tes ardeurs, si c'est que ça. Oh, mais c'est pas vrai. Pourquoi je peux pas bouger? Il m'a immobilisé, le salaud. Il m'a immobilisé. Ah, ça y est. Ah. Pardon. Ah. Allez. Mais si, tu vas faire long feu. Il faut y croire. Worgen, viens te battre. Attaque ultra laser, Worgen. Et c'est bon. Ouh. Saleté d'engeance quoi. Robe du silencieux, 307 d'armure, mais pas intéressant. Saut de Dumat pour Anders. Pourquoi c'est Anders qui a la récompense? C'est dégueulasse. Cette amulette, personne n'en a utilisé de semblable depuis l'aube du premier enclin. Elle appartenait à une petite secte d'adorateurs du dieu Dumat à Tevinter. Ainsi donc, Corypheus était bel et bien un ancien inquisiteur. J'ai toujours cru que la cité noire n'était qu'une légende. Visiblement, c'est pas une légende. Peut-être la chanterie a-t-elle raison sur d'autres points. Il va falloir que j'étudie la question. Bon. Alors, écoute. Le sceau de Dumat. En fait, il est pas si intéressant que ça. Donc, tant pis. Bien. Cher ami. Nous pouvons conclure. Vous avez réussi, Hawk. Vous avez accompli bien plus que les gardes des ombres d'antan. J'informerai le commandeur garde de votre réussite. Vous pensez que les gardes des ombres vont vous accueillir à bras ouverts dans votre état? Je ne pense pas que les gardes sont censés revenir de l'appel. Je dois essayer. Vous avez fait de moi votre allié. Pourquoi parlez-vous de cette façon? Mes pensées sont claires maintenant. Sans l'appel de Corypheus,
j'ai repris pleine possession de mon esprit. Merci de m'avoir rendu ma liberté. Les gardes ne vont pas me remercier d'avoir tué leur compagnon d'armes. Janneka a ignoré les ordres directs du commandeur garde en tentant de libérer Corypheus. Ils seront soulagés d'apprendre sa disparition. La prison n'est plus. Merci de m'avoir rendu ma liberté. Bah, de rien. Je l'avais dit que vous ne me croiriez pas. Lorsque les chercheurs sont parvenus à ce bâtiment, cette prison, elle avait été détruite. Les gardes des ombres étaient sur place, mais ils n'ont pas fait mention de ce Larius. Ils ont affirmé que tout le monde était mort. Et maintenant, vous affirmez que non seulement le héros était ici, mais qu'il avait vaincu un inquisiteur. Un de ces inquisiteurs d'autrefois. Laissez-la par les gardes eux-mêmes. Drôle d'histoire. Je me demande si elle a une suite. Un détail. Un moment pour le dernier membre de la famille et un écho. Je prends quelques libertés, vous m'excuserez. Des attaques d'engeance, un sacré carnage. Tout ça à cause de ce qui s'est passé il y a des années. Quand je pense à ce qu'il a fait pour Mère, pour nous tous d'ailleurs. Comment Mère a-t-elle pu supporter cette étrange magie? J'aimerais tant pouvoir en discuter avec elle. Ah bah ça, nous pouvons parler de lui ensemble, oui. Je sais que ça a été dur de passer autant de temps avec Bethany et moi. Il avait commencé à m'entraîner aussi du mieux qu'il pouvait. Ensuite, j'ai appris deux ou trois choses auprès des soldats de passage. Vous vous souvenez de la fois où je l'ai battu? Je l'avais désarmé en beauté. Il se retenait. Meilleur en magie? Évidemment, mais pas à l'épée. Ensuite, eh bien, il savait que je pouvais m'occuper de la maison pendant qu'il était parti avec vous deux. Encore une chose que vous tenez de lui, si je me souviens bien. Il ne voudrait pas nous voir nous lamenter sur notre sort. Je pense que ni l'un ni l'autre n'ont vraiment vécu comme ils le souhaitaient. Et c'est reparti pour un tour. On dirait bien. Exactement. Bon, ceci dit, j'ai quand même pas mal critiqué les Templiers, mais je suis bien content que d'avoir Carver avec moi dans cette équipe. Hein, parce que pour le coup, il a été vachement utile. Hein. Il a bien tanké comme il fallait, Carver. Hein. Choisir notre propre vie, même si nous ne sommes pas toujours d'accord. Son fardeau devait être semblable au vôtre. Maman, t'es censée être morte normalement à ce moment-là de l'histoire. Je fais ce que je peux. Parfois, il semble que ça ne suffise pas. Vous savez, votre père tentait d'aider les gens de la même manière. Il essayait de résoudre les problèmes qu'il percevait chez les autres. Vous avez hérité de ses qualités, de toutes nos qualités. C'est pour cela que vous êtes aussi opiniâtre. Vous serez toujours ainsi. Nous formerons toujours une famille. Tout ira bien. Bon, vous l'avez compris, hein, le DLC se passe dans des événements bien avant la fin de l'acte 2. Hein. Mais bon, c'est pas très gênant. Bon, bah voilà. Voilà, ce DLC est terminé et avec lui nous en avons définitivement terminé avec Dragon Age 2. On va pouvoir, je sais pas quand, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il regarde en haut? Pourquoi il lève la tête lui? On va pouvoir s'attaquer la prochaine fois au dernier en date en tout cas. Dragon Age Inquisition qui pour le coup à mon avis va nous occuper un bon moment parce que mine de rien... Il est long avec des maps en semi-monde ouvert, pas mal, et même voire énormément de quêtes annexes. Si vous trouvez que je papillonnais dans le 2, attendez de voir le 3. Enfin voilà. Mais ça va être sympa. Bon, dans tous les cas, j'espère que ce DLC vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis on va s'arrêter ici pour ce soir pour le stream. Donc du coup, j'en profite pour vous souhaiter une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas, pour ceux qui voient la rediff, à donner votre avis en commentaire. Voilà. Allez, salut tout le monde.